cette grotte, qui en même temps réelle est symbolique. Le symbolique, symbolique de quoi? Du féminin. C'est pour ça que le féminin, c'est la grotte de Marie-Madeleine. Et que le féminin joue un rôle clé maintenant dans la vie de tout le monde ici sur cette planète, des êtres humains, le masculin et le féminin, les hommes et les femmes, je dirais que on est invité à être féminin avant tout. Et qu'est-ce que c'est que le féminin? C'est l'accueil. C'est l'amour qui accueille, qui s'ouvre. Je m'accueille pour recevoir le don de Dieu, la semence, la connaissance. Et ensuite, l'action va être masculine. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à l'époque actuelle, la notion de Marie-Madeleine revient énormément. On se retrouve dans l'amour, dans l'accueil des uns des autres. Donc c'est à la fois symbolique et réel. Donc tout à l'heure, je disais que c'était des retrouvailles. Et effectivement, on a vécu beaucoup de vies. Mais qui a vécu ces vies? C'est imaginé, c'est vrai, mais en même temps, on a choisi cette expérience illusoire de renaissance, de vie, de retrouvailles. Et c'est ça qui a un sens. C'est pas les fêtes eux-mêmes, c'est pas de savoir si Marie-Madeleine est incarnée ou pas, etc. La question se pose. Moi, j'ai mes réponses à ce sujet. Mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est l'amour qu'on partage. Tu sens bien ça. Tu vois, on se retrouve. Le féminin accueille le masculin, le masculin accueille le féminin. Parce qu'effectivement, dans l'incarnation humaine, on est bien sexué. Et le corps est un instrument fantastique, un outil d'expérience, un véhicule sexué. C'est très important. Ça a été nié par le passé. On a fait des vœux de pauvreté et de chasteté. On a nié l'argent et le sexe. Mais tout est divin et rien n'est nié. Tout est utilisé. Et tout est neutre. Tout est neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en soi-même, ça n'a pas de valeur. La valeur, c'est qui on est. Parce que si quelque chose a de la valeur pour moi, c'est que si je n'ai pas cette chose-là, je manque de quelque chose. Mais comme je suis divin, ainsi que tous mes frères et sœurs, et que toute la nature, on manque de rien. Donc l'apparence n'a pas de valeur. Ces arbres, un animal qui passe, un corps, en soi, n'a pas de valeur, parce que ça va passer, donc ce n'est pas réel. Et pourtant, c'est utilisé. Et pourtant, qu'est-ce qui permet ça? Le divin que nous sommes. L'amour créateur. Et quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, il n'y a que Dieu. Donc l'homme ou les créatures sont des expressions, des manifestations du divin. Dans une unité absolue de toute chose. Donc Dieu a créé l'homme à son image et nous sommes créateurs. C'est ça que ça veut dire. On crée comment ?